Eh bien, salut à tous, c'est Poisson Fécond et bienvenue dans ce Focus de l'Astrolabe, le deuxième, oui. Alors le concept est simple, hein, on choisit un sujet scientifique ou high-tech et on l'approfondit un peu plus que dans les Astronews. Notre premier focus était par exemple sur le plastique et aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à l'histoire des smartphones et du coup, qui de mieux que Jojol hein, pour nous accompagner. Salut à tous, c'est Jojol. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je réalise des vidéos dans le domaine tech, notamment sur les smartphones. Et du coup, on se disait avec Chris qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone ou même plusieurs, mais que peu de gens connaissent vraiment l'histoire de cet objet du quotidien. Alors nous voilà pour vous raconter la formidable histoire des smartphones. Bref, dans cette vidéo, on va revenir ensemble sur les 25 ans d'existence des smartphones, du tout premier modèle des années 90 aux dernières nouveautés de cette année. Parce que c'est vrai que ça a quand même bouleversé le quotidien de beaucoup de gens, et ça a révolutionné notre façon de communiquer. Mais en fait, toi Jojol, est-ce que tu te souviens du tout premier smartphone, ou téléphone, hein, que t'as eu ? Alors moi, mon premier téléphone, ça remonte en quatrième, et c'était un Sony Ericsson, un téléphone clapet blanc avec des boutons orange. C'était plutôt la classe. Et toi du coup ? Je sais pas, je crois que je devais avoir la petite brique incassable, là, comment il s'appelle ? Nokia. Ouais, c'est le Nokia 510, un truc comme ça. Mais j'ai grave attendu avant d'en avoir un. Genre, c'était, je sais pas, au lycée, fac. Bon, bah du coup, ne perdons plus de temps. Et donc, c'est parti pour un sacré retour en arrière. Générique. Alors tout commence le 14 février 1876. Oui, je sais, on a promis de vous parler des smartphones, mais on va d'abord remonter au tout début de la téléphonie avec Graham Bell. Tu sais que ça fait débat, ça ? Ouais, alors l'identité du vrai créateur du téléphone est controversée, mais cette invention a été attribuée à Bell en fin de compte, donc on va rester là-dessus. Imaginez un peu la révolution à l'époque, tu peux enfin entendre la voix de quelqu'un qui se trouve à des milliers de kilomètres de toi, mais c'est comme s'ils étaient dans la pièce d'à côté. Et ouais, pour nous, ça semble évident, mais à l'époque, c'est presque magique. Même s'il faut être honnête, il n'y avait quasiment aucun téléphone dans les maisons, c'était plutôt utilisé dans les industries. Isn't this great? Here I am in New York, and there you are in St. Louis, and it's just like you're in the next room. Il faut ensuite attendre un bon siècle, donc l'année 1973, pour que l'on ait accès au premier téléphone portable. Et ce tout premier téléphone cellulaire, c'était déjà un Motorola. Comme quoi, certaines marques sont sur le marché depuis le tout début. Bref, ce premier téléphone pesait un bon kilo. En gros, c'était parfait si tu voulais faire ta petite séance de muscu, quoi. Ouais, puis ça rentrait pas dans les poches, hein. C'est clair, et en plus, il avait une autonomie de moins d'une heure. Donc du coup, ça n'a rien à voir avec un smartphone, enfin, hein. Enfin, ça dépend lesquels, hein, parce qu'il y en a certains. On peut parler des iPhones si on veut. En tout cas, c'était quand même le tout premier dans son genre. Eh, il coûtait presque 4 000 $ de l'époque. C'était plus cher qu'un iPhone. Oui. Je suis un peu choqué. Ce qui équivaut quand même avec l'inflation à près de 8 500 €. Ah ouais, chaud. Alors, ce téléphone s'est très peu vendu, hein, parce que c'était quelque chose qui n'était pas vraiment accessible, hein, vous vous en doutez. Mais cette notion de téléphone sans fil devient une obsession pour la population qui se met à rêver de cette nouvelle technologie. Eh bien ça y est, nous sommes dans les années 90 et le téléphone cellulaire commence à être populaire. Il rentre dans les usages quoi. On écoute MC Solar ou Mylène Farmer en s'écrivant des SMS. La plupart des jeunes ont des téléphones assez compacts, vous savez, les petits Nokia hyper classiques, voilà. Mais du coup, ouais, Nokia c'est une marque qu'on connaît bien. Ouais, et qu'aujourd'hui, bah, ça se casse un petit peu la gueule, là. Mais on va pas le dire, même si je viens de le dire. Tu parles des années 90 et de Nokia, et tu parles même pas de Snake. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, oui. Donc ce jeu emblématique où vous êtes un serpent qui bouffe des billes pour grandir apparaît sur les téléphones cellulaires. Mais ce ne sont quand même pas encore des smartphones. Le téléphone cellulaire commence à être bien intégré, mais du coup, pourquoi s'arrêter là ? Il est temps d'inventer quelque chose de nouveau et de fascinant, c'est la naissance du premier smartphone. Nous sommes en 1994 et il s'appelle l'IBM Simon. Dédicace à tous les Simons. Alors évidemment, hein, le mot smartphone n'existait pas encore, mais ce téléphone rentre dans la catégorie puisque pour la première fois, un téléphone portable offre d'autres fonctions que le simple fait de téléphoner. Dans ce cas, c'est le fax et un assistant personnel. Et en plus, il avait déjà un écran tactile qui fonctionnait avec un stylet, mais toujours une autonomie d'une heure. Par contre, fallait voir le machin, c'était une brique, hein. Donc l'IBM Simon, c'est un peu l'ancêtre de nos smartphones actuels, si vous voulez. Et c'est quand même le point de départ de 25 ans d'innovation. Grant, Monsieur Hammond, les téléphones marchent.
dans la fin des années 90, d'autres smartphones se développent et c'est vrai qu'ils ressemblent de plus en plus à des petits ordinateurs, notamment avec le Nokia 9000 appelé Communicator. Et toutes les fonctions emblématiques du smartphone actuel se développent, l'écran tactile, le GPS, la connexion internet, etc. etc. À l'époque, on venait juste de s'habituer aux petits téléphones portables, donc bon, le smartphone n'était pas très populaire. Bah oui, il est beaucoup plus gros et ce n'était ni un téléphone ni un ordinateur, donc il avait un petit peu de mal à séduire les gens. Toutes ces avancées technologiques, c'était peut-être trop le futur, peut-être trop révolutionnaire, et donc du coup ça n'a pas séduit son public et ça a fait un flop. En 2000, on utilise le mot smartphone pour la toute première fois. Et du coup, pour ceux qui en doutaient, smartphone, c'est la contraction entre smart, donc intelligent, et le mot phone, donc téléphone. Et oui Eric, tout à fait. Hein. Et le premier appareil présenté comme un téléphone intelligent, c'est l'Ericsson 380. Pour la première fois, le smartphone utilise un système d'exploitation entièrement pensé pour lui. Et vous en doutez, mais cet OS n'existe plus aujourd'hui. Après, vous inquiétez pas, hein. Pour la postérité, on va quand même vous donner son nom, c'est Symbian. Simba, peut-être, non, absolument Simba, pas. Simba. Bon, vous le prononcez comme Simba. Vous voulez, voilà, il est écrit comme ça, là. En fait, les années 2000 sont vraiment un tournant dans l'histoire de nos précieux smartphones puisque l'arrivée de la 3G leur permet de développer de nouvelles fonctionnalités. Et oui, jusqu'à présent, ils restaient assez limités malgré les efforts des constructeurs. Du coup, en 2002, le BlackBerry est le premier smartphone qui peut envoyer et recevoir des emails et aussi de surfer sur le net. Et ça, c'est une sacrée avancée dans le domaine. D'ailleurs, à cette période, des smartphones iconiques voient le jour comme le BlackBerry et le Razr. De Motorola. Vous savez, c'est un petit téléphone à clapet avec plusieurs couleurs. Ah bah c'était mon premier téléphone ça. C'est pas étonnant puisqu'il a quand même été vendu à 130 millions d'exemplaires. Bref, ça y est, les smartphones sont aussi appréciés que les téléphones cellulaires et ils arrivent jusque dans les cours d'école. Et oui, parce que même si tout le monde a le même smartphone, puisque bon, il n'y a pas beaucoup de choix, tout le monde en a un. Bon, sauf ceux qui restent accrochés à leur Nokia, qui est d'ailleurs un best-seller de l'époque, hein. En tout cas, les smartphones sont déjà devenus des petits ordinateurs de poche. Ils ont la possibilité de recevoir des emails, en plus des SMS, de naviguer sur Internet, et puis aussi donc de jouer à des jeux plus aboutis donc que le fameux Snake dont on vous parlait tout à l'heure. Enfin, si vous voyez le délire, on se rapproche de plus en plus des smartphones que l'on connaît aujourd'hui. Oui. Je vous avais pourtant dit de ne pas raccrocher. Qu'est-ce que vous voulez ? Parlez. J'ai pas que ça à faire, alors appelez quelqu'un d'autre. Et donc, en 2007, année fatidique puisque le secteur du smartphone est bouleversé par l'arrivée d'Apple sur le marché. Alors évidemment, hein, ils ont fait les choses en grand en annonçant qu'ils allaient réinventer le téléphone. Et à l'époque, le tout premier iPhone est un véritable succès qui redéfinit complètement la vision du smartphone. Et oui, puisque Steve Jobs introduit un téléphone qui révolutionne du coup sur tous ses aspects, la performance, les fonctionnalités, options, design, finition, et il fonctionne déjà sous iOS. Alors pour info, c'était pas iOS à ce moment-là, mais c'était plutôt iPhone OS 1.0. Bref, il devient une référence qui transforme profondément le milieu et surtout, il plaît énormément au public. Pour la petite information, il coûtait beaucoup moins cher qu'aujourd'hui. Et le prix s'affiche juste devant vos yeux. Voilà, c'est cadeau. Sacrée différence, hein. En fait, pour vous donner une idée de la façon dont le public a accueilli ce premier iPhone, c'était un mélange entre l'excitation et de l'émerveillement. Il y avait une attente énorme autour de l'iPhone, tout le monde s'emballait sur Twitter, et ceux qui se l'étaient procuré avaient sacrément la classe. Bon, après, c'était emballé sur Twitter, Twitter avait juste un an d'ancienneté, donc il était surtout connu aux États-Unis, mais pas beaucoup plus. Mais il était vraiment mieux que les autres ? Alors oui et non, au début on était quand même plutôt bloqué puisqu'on n'avait pas la possibilité d'installer des applications, l'App Store n'existait pas sur le premier iPhone au début, on n'avait pas la possibilité de faire des vidéos, mais après voilà, au fur et à mesure que le temps passe, on a eu des mises à jour, on a eu des nouveaux iPhones, et là on pouvait tout faire. D'ailleurs, pour l'info, cet iPhone n'est pas du tout le premier téléphone d'Apple, puisque en 2005, la marque s'était associée avec Motorola pour sortir un smartphone. Et bizarrement, c'est Apple qui a présenté le téléphone alors qu'il est sorti sous la marque Motorola. Et donc, sa particularité, c'était que c'était un baladeur MP3 compatible avec iTunes. Là-dessus, rien de révolutionnaire donc, mais c'était quand même les tout premiers pas d'Apple avant même de sortir son iPhone. Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent.
Alors nous voilà en 2008 et une nouvelle marque se lance dans le game. Et alors là, on n'est plus sur le petit constructeur indé, c'est Google qui débarque en créant un système d'exploitation. Du coup, ça permet à de nouveaux acteurs d'entrer dans la compétition comme HTC, LG ou Sony. Leur différence principale avec Apple est donc le système d'exploitation, iOS pour l'un, Android pour les autres. Ah bah ça va, on n'est pas perdu, c'est la même guerre aujourd'hui. Et oui, comme quoi on n'a pas tout changé non plus. Hein. Le premier smartphone sous Android est donc le HTC Dream et il se place comme le concurrent principal de l'iPhone de l'époque. En 2010, c'est un véritable boom! Puisque 9 modèles arrivent sur le marché d'un coup, de Google à BlackBerry en passant par iPhone, on n'a jamais eu autant de choix. C'est par exemple l'apparition du premier Galaxy S qui permet à Samsung de s'imposer dans la compétition. Et oui, jusqu'à présent, Samsung essayait d'avoir un système d'exploitation rien qu'à lui, et ça ne lui réussissait pas. En passant sous Android, il est enfin perçu comme un constructeur sérieux. Après, j'ai pas envie de te mentir, il fallait quand même attendre plusieurs années pour avoir quelque chose de plutôt sympa visuellement. Du coup, bah c'est parfait, hein, parce qu'il y a énormément de choix, et c'est pas mal aussi pour ma collection de téléphones aujourd'hui. Mais est-ce que le public a enfin adopté le smartphone dans son quotidien? La réponse, moi, je vous le dis, oui. Eh bien, oui, une coupe l'herbe sous le pied, puisque en 2011, près d'un téléphone sur 3 vendu dans le monde était un smartphone. Et ça fait à peu près 478 millions d'appareils écoulés, sachant qu'on était autour des 100 000 en 2007. Ah, sacrée progression quand même. Sacrée progression. Donc ça y est, hein, les smartphones sont devenus indispensables pour les gens. Et on préfère, à ce moment-là, avoir un téléphone intelligent et surtout changer souvent pour acheter le dernier modèle. La frénésie autour des smartphones est vraiment lancée et ils font partie intégrante du quotidien. Par contre, on n'a pas encore les forfaits avec SMS illimité. Ah ouais, j'avoue, moi c'était 10 centimes le SMS avant. Ah, c'était violent, hein, ça pouvait filer vite. Hein. Bref, du coup, on utilise plutôt les messageries instantanées dès que possible, puisqu'à ce moment-là, on peut avoir internet sur les smartphones, au lieu d'utiliser donc les SMS. Et le changement le plus important, c'est surtout qu'on est joignable à tout moment, et que on ne peut plus se permettre d'attendre pour avoir une réponse. Bref, du coup, on est très loin du Telegram qui est arrivé 3 jours après. À part si t'as plus de batterie sur ton téléphone. Évidemment, ce qui pouvait arriver évidemment aussi avec les iPhones. Hein. Question de vie ou de mort, vous avez un chargeur? Vous devez attendre votre tour. Excusez-moi. Prenez un numéro. Il me faut un chargeur! Vous en doutez, mais de plus en plus de personnes utilisent un smartphone. Et vu qu'il y a de plus en plus de choix de marques et de modèles, hein, en termes de vidéos, je peux en faire limite 2-3 par jour, ça chôme pas, et bien là, la compétition est encore plus féroce qu'avant. Alors Samsung et Apple hein, se gardent une place de choix dans le classement des marques les plus populaires, et ça dure depuis des années, mais il y a aussi des nouveaux qui réussissent très bien, comme le constructeur chinois Huawei. Ah bah maintenant qu'on lui a retiré sa licence Android, il va peut-être moins bien réussir. Et bien finalement, détrompe-toi, puisqu'au final, Huawei n'aura plus de soucis. Ok, Trump est un petit peu revenu sur sa décision, c'est ça? C'est ça. En tout cas, je te rassure, bah finalement, Huawei a encore des belles années devant elle. Elle va pas disparaître comme le traditionnel BlackBerry ou LG qui ne sont plus vraiment des leaders du marché. Et oui, le BlackBerry, justement, avec son clavier physique qui était finalement assez utile pour pouvoir écrire assez rapidement, bah ça a disparu. C'est ça. Et c'est fou de se dire que maintenant, tous les smartphones, sans exception, ont des écrans qui prennent toute la place, quoi. En fait, même si le nombre de smartphones vendus dans le monde a triplé par rapport à 2011, puisqu'aujourd'hui, il y en a plus de 1,4 milliard qui sont vendus par an, on notera quand même qu'en Europe, les utilisateurs préfèrent acheter de manière moins compulsive qu'avant. Peut-être qu'on s'est un petit peu lassé, quoi, je veux dire, hein. Alors c'est vrai qu'avant il y avait quand même une période de lassitude dans le sens où tous les téléphones se rassemblaient, mais là depuis l'année dernière, les marques se bougent et proposent vraiment des innovations assez sympathiques, donc du coup je pense qu'il y aura pas mal de personnes qui vont vouloir faire des changements dans les prochains temps. Et donc oui, peut-être comme tu le dis, les marques donnent tout pour se démarquer, surtout eh ben, par les temps qui courent, en proposant des innovations toujours plus originales pour attirer de nouveaux clients. Et on va revenir sur les principales innovations techniques de ces dernières années. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Et je vous tuerai. Bonne chance. Alors que s'est-il passé depuis qu'Apple a créé la norme du téléphone tout en un avec écran tactile il y a plus de 10 ans? La forme globale des téléphones n'a pas vraiment changé, à part la taille des écrans peut-être, mais dès que l'on s'intéresse à ce qu'il se cache à l'intérieur de ces bijoux, eh bien là, il y a du sacré progrès. Et pour l'anecdote, faut savoir quand même que n'importe quel téléphone actuel, même le plus pourri, il est plus puissant que les ordinateurs qui ont envoyé les hommes sur la Lune. Ah, c'est dingue de se dire ça. Globalement, les systèmes se sont vraiment perfectionnés, les écrans ont gagné en définition et en technologie. On a mis un objectif photo sur les smartphones, puis 2, puis 3, voire même beaucoup plus. Enfin, vous voyez l'idée, c'est presque devenu des appareils photo professionnels. Bref, en tout cas, la puissance est un point d'amélioration constante. Désormais, on passe en moyenne 2h16 par jour, c'est très précis, wow. Hein, sur nos téléphones.
Eh oui, ne faites pas les étonner. Hein. C'est un chiffre qui vient d'une étude qui s'appelle le baromobile. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est en barre d'infos. Et donc, on les utilise maintenant pour plein de choses, comme les moyens de paiement, comme console de jeu, comme mini-télé, ou pour se connecter aux réseaux sociaux. Il y en a même qui l'utilisent comme vibromasseur. Alors, j'ai installé l'appli en question, c'est pas ouf. Ça vibre pas, c'est... Voilà, je le dis, voilà. Et donc, il y a plutôt intérêt à ce que niveau performance, hein, ça suive. En tout cas, si le design ne changeait pas énormément depuis le premier iPhone, les services proposés par les marques sont de plus en plus poussés. C'est comme ça que les smartphones se sont dotés d'intelligence artificielle, comme les assistants vocaux intelligents. Pareil pour le déverrouillage avec les empreintes digitales, plus récemment avec son visage. Les batteries ont aussi évolué, malgré le fait que, voilà, on aimerait bien que ça tienne un peu plus qu'une journée, deux jours, voire plus d'une heure. Parce qu'on est bien d'accord que ça a toujours été le point faible des smartphones. Cela dit, maintenant tu peux recharger ton téléphone sans câble grâce à l'induction. Et oui, sauf sur ton OnePlus, tu l'as pas. Enfin bref, on s'éloigne de plus en plus de l'IBM Simon. Vincent, t'as un message. Ok. Alors ? Il y a 30%, j'ai Jardiland et je peux pas y aller. Ah, il est con celui-là. En termes de design, il y a quand même eu des tentatives qui n'ont pas forcément réussi à s'imposer face aux smartphones traditionnels. Que ce soit les montres connectées, par exemple, qui vous permettent d'avoir votre téléphone au bout du poignet, mais qui, malgré leur popularité, plus ou moins certaines, ne remplacent pas un smartphone classique. Sinon, Google a fait une tentative de lunettes connectées, mais qui fut un gros échec commercial en 2014. Oh bah tu sais, aujourd'hui, il y en a encore des projets de lunettes connectées. Ouais, l'échec de Google n'a pas démotivé tous ses concurrents, visiblement. En innovation marquante de ces dernières années, on peut aussi parler des écrans. C'est quand même le gros critère des smartphones et ils se donnent un air futuriste. On pense par exemple aux smartphones avec un écran 3D. Hein. Par exemple, moi j'en ai un. C'est le premier téléphone de chez Red. Je vais pas te mentir que ça sert pas à grand chose. Bon, ça marche, mais c'est pas folichon. C'est génial, tu peux voir des poissons, des bulles en 3D quoi. Ouais, à condition que t'as du contenu. Mais par contre, tu vois, la dernière tendance en termes d'écran, et franchement, ça, j'en suis vraiment fan, c'est les smartphones avec écran pliable. Alors du coup, il y a le Samsung Galaxy Fold, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, j'ai eu la chance d'avoir une exclusivité. C'était un chouette test, j'ai testé pendant un mois, et franchement, un truc de dingue. Allez sur la chaîne de Job pour voir ça, quoi, du coup. On peut pas encore se le permettre sur l'Astrolabe, désolé. Hein. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en seulement 25 ans, les smartphones ont complètement changé. On est passé de grosses briques, un peu informes, de plus d'un kilo, à des écrans tactiles pliables, que l'on n'a même pas besoin de toucher puisqu'un assistant vocal s'occupe de tout. Mais du coup, moi je me demande comment ils seront dans 25 autres années, ces smartphones. C'est une très bonne question, on a quelques pistes de réflexion. Alors déjà, la batterie va devoir évoluer, et elle pourrait même disparaître puisque des chercheurs ont développé un téléphone entièrement autonome, en énergie, qui fonctionne grâce aux signaux radio présents partout autour de nous. Après, peut-être que les signaux radio qui sont dans l'air autour de nous n'ont peut-être pas une énergie suffisante pour pouvoir alimenter un smartphone et faire tourner le dernier jeu ou Necropalace, quoi, tu vois, dessus. Mais cela dit, si on réussit à inventer l'induction à longue distance, et ça, il y a des recherches aussi très intéressantes là-dessus, donc du coup, que l'énergie sans fil puisse alimenter votre téléphone ou n'importe quoi, votre grille-pain et compagnie, bien là, on pourrait avoir plus aucune batterie. Ensuite, après les écrans pliables, Samsung se penche sur la conception d'écrans souples pour qu'on puisse porter son téléphone directement autour du poignet comme une montre. Et puis, pour les plus visionnaires d'entre vous, sachez eh bien, que le smartphone du futur n'existera pas. Ah ouais, toujours plus. Et il sera invisible, c'est ça ? Bah, pas exactement, mais dans quelques années, on pourra certainement contrôler son smartphone par la pensée. Et oui, puisque à terme, nous n'aurons plus besoin d'avoir vraiment un téléphone, mais juste peut-être un implant pour traduire nos pensées. Toi, et tu ça, où, toi choisis où tu vas le foutre. Et toi, du coup, Jojol, peut-être en mot de fin, qu'est-ce que tu penses justement de cette évolution des smartphones et qu'est-ce que tu peux envisager dans le futur ? Comment je vois l'avenir du téléphone ? Ben voilà, ça n'existera plus vraiment. Je verrai quelque chose qui est basé au niveau des yeux, tu vois, quelque chose qui est vraiment multifonction où tu aurais la possibilité de visualiser des choses en réalité augmentée, comme dans Black Mirror. Où t'as la possibilité carrément de faire des photos, d'enregistrer des vidéos, de les mémoriser et tout. Donc non, on a un chouette avenir, mais ça peut aussi faire peur. Oui, évidemment, et Black Mirror le dit bien assez justement pour s'attarder au côté un peu plus anxiogène de la technologie. La mise à jour de la puce Willow est accessible pour le prix d'un ticket de métro et on vous offre 30 ans de sauvegarde gratuite. Une simple anesthésie locale suffit pour l'installation de la puce intégrée.
Et donc voilà, nous avons fait le tour des 25 ans d'existence des smartphones. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup à toi aussi, Jojol, d'être intervenu. Je suis ravi de t'avoir, du coup, avec moi pour présenter cette vidéo et ce sujet, quand même. Bah, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir. Et en plus de ça, bah, c'est dans mathématiques. Donc, du coup, ça, c'est cool. Je pouvais pas mieux tomber, là. Hein. Ah, bah, non, là, c'est juste parfait. Et en plus, elle sort après ma vidéo sur le fameux smartphone pliable de Samsung. Donc, du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Carrément, de toute façon, que ce soit le smartphone pliable ou à peu près tous les smartphones, finalement, du marché, je veux dire, t'es un petit peu. Tu bouffes à tous les râteliers, on peut le dire. Voilà, je bouffe des smartphones tous les jours. Et t'en as une collection astronomique. Ah, que tu fais gagner de. Cela dit, quand même. Ouais, ouais, je suis plutôt sympa. En général, il y a souvent des concours. Du coup, voilà, on vous met en description le lien de sa chaîne. Et très important, ne remplacez pas le J par G. Merci. Du coup, comme d'habitude, on attend vos retours en commentaire si du coup cet épisode vous a plu, tout ça, tout ça. Et sur ce, eh bien, on vous souhaite une très bonne journée sur l'Astrolabe. À très bientôt. Salut. Salut. Vous pouvez aller vous faire foutre. Écoute-moi bien, petite salope. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie.